Les singes s'accrochent où? Thank you.
Regarde, bébé Louis, il y a quelque chose qui ne va pas avec la voiture de papa. Une cerise sur le dé.
ramasser les glaces. Regardez les bâtonnets glacés. Oh non. Oh, la glace. Nous pouvons faire notre propre glace arc-en-ciel. Miam, miam, les fruits sont tellement bons. Il faut en manger pour votre santé. Nous pouvons mettre des fruits et les mixer. C'est une bonne façon de tous les goûter. Miam, miam, la fraise est de couleur rouge. Les mangues sont de couleur jaune. L'intérieur du kiwi est de couleur vert. Et les belles myrtilles, elles sont bleues. Oh! Mais comment on va faire des glaces avec les fruits? Je suis contente que tu poses la question. Faisons-le ensemble. Aha. Les fraises rouge. La mangue jaune. Le kiwi vert. Les myrtilles bleues. Maintenant, c'est votre tour. Fraises rouge. Mangue jaune. Kiwi vert. Myrtille bleue. Maintenant, on les met dans le congélateur et on attend.
je dis que les bonbons valent mieux que la raison. À vous dirai-je, maman, ce qui cause mon tourment. Papa veut que je raisonne comme une grande personne. Moi, je dis que les bonbons valent mieux que la raison. Et voilà, c'est l'heure de faire les tâches ménagères. Tout le monde a une tâche à faire. Je commence. Et donc, à faire les tâches ménagères. Lavons, lavons les habits. Et donc, à faire les tâches ménagères. Tour, chérie. Et donc, à faire les tâches ménagères. Lavons, lavons, oui, lavons le sol. Et donc, à faire les tâches ménagères. Lavons tout. Et donc, à faire les tâches ménagères. À toi, Léo. Et donc, à faire les tâches ménagères. Nettoyons, nettoyons tout. Et donc, à faire les tâches ménagères. Nettoyons. Et donc, à faire les tâches ménagères. Chérie. Et donc, à faire les tâches ménagères. Donnons à manger aux chiens. Et donc, à faire les tâches ménagères. En nourrissant le chien. Et donc, à faire les tâches ménagères. C'est validé. Et donc, à faire les tâches ménagères. Rangeons tout, tout ce qui traîne. Et donc, à faire les tâches ménagères. Rangeons tout. Et donc, à faire les tâches ménagères. Bravo.
Bravo, chérie! Maintenant, on a terminé. Oh,
C'est l'heure du petit déjeuner, les enfants. Préparons-nous tous pour manger le petit déjeuner. Préparons-nous tous pour manger. Il faut se lever et donc tous à préparer le petit déjeuner. Et donc tous à préparer car aider c'est amusant. Bien sûr. Miam, des œufs. Mangeons des œufs et des tartines avec de la confiture. Mangeons des œufs et des tartines, c'est vraiment très très bon. Faisons aussi des pancakes avec quelques fruits frais. C'est important de bien manger au petit déjeuner. N'oublions pas le jus. Oh, il va nous falloir des verres. Les fêtes sont des moments pour s'amuser. Ma
sœur, c'est la meilleure. Ma sœur, c'est ma meilleure amie. Prendre le thé avec elle, c'est trop bien. Et hey, si on faisait de la peinture? Aujourd'hui, nous allons apprendre les différentes parties de notre corps.
Est-ce que quelqu'un a une idée de ce que ça pourrait être? Très bien, bébé Louis. Ceci est une main. Regardez-moi lever les deux mains. Voici mes oreilles, voici mes yeux. Regardez-moi toucher ma tête, ma bouche et mon nez. J'ai deux pieds et 10 petits orteils. Tout le monde a deux oreilles, à gauche et à droite. Je touche mes deux oreilles, à toi de le faire. Peux-tu entendre le son de ma guitare? Voici les choses que les oreilles peuvent faire. Bébé Louis. Bien les enfants. Maintenant, regardez-vous dans les miroirs. Nous avons tous deux yeux, un nez, une bouche et deux oreilles aussi. Mais chacun d'entre nous est différent. Regardons nos corps sous un angle différent. Le nez! Oui! Vous voyez comme c'est facile d'apprendre toutes les parties différentes de notre corps? Ethan, peux-tu me dire où sont tes yeux? Mia, où est ta bouche? Bébé Louis, où est ton ventre? Emma, peux-tu nous montrer tes mains? Finn, peux-tu nous montrer tes pieds? Ella, peux-tu me dire où sont tes oreilles? Bobby, quelque chose ne va pas? Touchons-nous la tête, la bouche ou le nez. Touchons nos pieds et bougeons nos orteils. Ok les amis, maintenant que nous avons appris les parties de notre corps, nous pouvons prendre un peu de repos. C'est l'heure de la sieste. Il est maintenant l'heure de faire la sieste. Ferme tes yeux l'un après l'autre. Waouh! Tellement de jouets! Partager pour mieux jouer. Jouer c'est mieux quand on est tous ensemble. Partager. On va beaucoup s'amuser avec ces jouets. Bébé Louis, qu'est-ce que tu as apporté aujourd'hui? C'est Monsieur Dino, il fait dire waouh. Avec toutes ses grandes dents, je l'emmène avec moi partout. Je ne le partage pas souvent. Est-ce que je peux jouer avec Monsieur Dino aussi? Jacob, c'est ton tour! Oui! Voici ma voiture et elle fait vroom! Elle va vite!
Zoé, qu'as-tu apporté aujourd'hui? Voici Teddy, mon ours en peluche. Il est tout rose et il est tout doux. Je l'emmène avec moi partout. Oh non, Teddy, ton bras! Regardez, son bras est ouvert! Ne t'en fais pas, on va prendre soin de lui. Nos jouets sont nos meilleurs amis, donc prenons bien soin d'eux. Nos jouets sont nos meilleurs amis, alors partageons pour aider nos amis. Partager pour mieux jouer. C'est ton tour, Mia. Oui, voici ma tortue, je l'aime beaucoup. Regardez comme elle est jolie. Je l'emmène avec moi partout et je la partage beaucoup. Partager pour mieux jouer. Jouer, c'est mieux quand on est tous ensemble. Partager vos jouets. Bébé Louis. Oh, je vois, tu as un bobo. On va soigner ça. Tu as un bobo, bébé Louis. Bébé Louis, bébé Louis. Ça fait un peu mal, mais ne pleure pas. Papa te soignera. Voici comment on le nettoie. Le nettoie, le nettoie. Avec de la crème et un bandage. Comme on est fier de toi. On doit bien garder le pansement, le pansement, le pansement. Plein de bisous en rigolant pour soigner ton bobo. Coucou mon chéri, comment tu te sens aujourd'hui? Laisse-moi voir ton bobo, voir s'il est guéri. On regarde le bobo tous les jours. Tous les jours, avant d'aller jouer dehors, on doit bien l'inspecter. Ce bandage est juste pour toi, juste pour toi, juste pour toi. Avec de jolis dinosaures pour que ton bobo guérisse. Un petit bisou sur ton genou, ton genou, ton genou. Des bisous, ça aide beaucoup à soigner ton genou. Regarde mon tricératops. Et mon stégosaure. Et puis bébé Louis, ça va mieux aujourd'hui? Papa regarde ton bobo. Ton bobo, ton bobo. Il faut du temps pour qu'il guérisse. Pour soigner ton genou. Ce bandage est juste pour toi. Juste pour toi, juste pour toi. Un joli train qui fait chouchou pour soigner ton genou. Comme tu es gentil, bébé Louis, bébé Louis, bébé Louis. Un pansement propre et des bisous pour soigner ton genou. C'est mon train le plus rapide, chouchou. Non, c'est mon train qui va le plus vite. Coucou bébé Louis. C'est encore nous bébé Louis. Regardons un peu ce genou. Maman, lève ton pansement. Ton pansement, ton pansement. Regarde ton genou bébé Louis. Ton bobo est parti. Tu es guéri, plus de bobo. Plus de bobo, plus de bobo. Sur ton genou, il n'y a plus rien. Maintenant tout va bien. Plus de bobo pour bébé.
bébé Louis, c'est parti, c'est parti. Comme tu es bon, mon grand garçon, tous ensemble célébrons. De manger tes légumes. Est-ce que tu es sûre? Les légumes te donnent beaucoup de force. Miam, miam, les légumes, oh, les bons épinards, ils vont me rendre fort. J'ai mangé mes épinards, ils sont vraiment bons, ils vont me rendre fort. Je suis un super héros, j'ai des super pouvoirs, je suis vraiment fort. Comme un super héros, les légumes me rendent très fort. Miam, miam, les légumes, oui, les bonnes carottes, elles me rendront grand et fort. Me rendront grand et fort. Je suis un super héros, j'ai des super pouvoirs. Maintenant je peux tout voir. Les légumes me donnent des forces comme un super héros. Les légumes me rendent très fort. C'est trop bon, elle me rendra grand et fort. J'ai mangé toute ma couche, c'est vraiment délicieux. Elle me rendra grand et fort. Les légumes me donnent des forces comme un super héros. Les légumes me font vraiment sentir bien. Grâce à ces légumes, je ne serai plus malade. Je me sens vraiment plein d'énergie.
rendra grand et fort. J'y mange toutes les betteraves, c'est vraiment trop bon. Elle me rendra grand et fort. Lily me donne des forces comme un super héros. Je peux courir vraiment vite. Les légumes me donnent des forces comme un super héros. Et je suis le plus rapide. L'aider, docteur. Merci pour votre aide, docteur Léa, et aussi à bébé Louis, l'ambulancier. Yeah.
chaussette? Je n'en vois qu'une seule. Où est ma chaussette? Mais où est-elle? Elle n'est pas par là. Et elle n'est nulle part. Oh ma chaussette, où es-tu donc? Moi d'abord, moi d'abord,
Jouez tranquille, jouez ensemble. En partageant, vous allez vous amuser. Jouez tranquille, jouez ensemble. Partagez pour pouvoir jouer. Allons-y, tous ensemble. Et après, c'est ton tour. Oh, tu veux partager? Merci. Bravo les enfants, jouer ensemble est très important. Partagez-les aussi. Profitons de cette belle journée, les enfants. Ouais. Allons jouer, bébé Louis. Hey. Papa doit, où es-tu? Je suis là, je suis le pouce. Papa doit, que fais-tu? Oh, je mange mon sandwich, comment vas-tu? Mmh. Ah. Ah. Hé, hey, cet écureuil a pris mon sandwich. Maman doit, où es-tu? Je suis là, je suis l'index. Maman doit, que fais-tu? Je lis un livre, comment vas-tu? Oh, oh, écureuil, reviens avec mes lunettes. Oh. Ça, c'est mon livre. grand frère doigt, où es-tu? Je suis là, je suis le majeur. Grand frère doigt, que fais-tu? Je joue à lancer la balle, comment vas-tu? Oh. Attrape, fiston. Grande sœur doigt, où es-tu? Je suis là, je suis l'annulaire. Grande sœur doigt, que fais-tu? Je joue à la poupée, comment vas-tu? Je reviens avec ma poupée. Bébé doigt, où es-tu? Je suis là, je suis l'auriculaire. Bébé doigt, que fais-tu? Je joue avec mon ami, regardez par ici. Quel drôle d'ami, bébé Louis. Oh, cet écureuil! Nous allons jouer à un nouveau jeu. C'est vraiment facile. Je vais vous montrer. Pour commencer, vous prenez les poignets. Vous mettez la corde derrière vous. Préparez-vous. Vous faites tourner la corde et sautez. Parfait. Qui veut commencer? Tu dois prendre les poignets, mettre la corde derrière toi. Tu dois te concentrer et faire tourner la corde. Tu dois sauter et continuer de faire veuille t'arrêter. Bravo Sophie. Est-ce que tu voudrais regarder la vidéo? Oui. Wow.
Sauter à la corde avec un de tes amis. Il faut te concentrer et faire tourner la corde. Vous devez continuer de sauter et de faire tourner la corde jusqu'à ce que vous vouliez vous arrêter. C'est vraiment très amusant, vous ne trouvez pas? N'oublie pas ton chapeau, Mia. Vous prenez les poignets, tu te mets au milieu. Il faut se concentrer et faire tourner la corde. Vous devez continuer de faire tourner la corde jusqu'à ce que tu veuilles t'arrêter. C'est un super défi, très amusant. Vous prenez les poignets, mettez-vous au milieu. Il faut se concentrer et éviter la corde. Vous devez continuer de faire bouger la corde jusqu'à ce que vous vouliez vous arrêter. Est-ce que vous êtes prêts pour le prochain défi? Mes amis font un cercle, je me mets au milieu. Je tourne sur moi-même pour faire tourner la corde. Éviter la corde. Oh, ça tourne. C'est beaucoup de tours sur toi-même, bébé Louis. Défi, vous allez tous sauter. Je tournerai la corde qui sera accrochée à un arbre. Nous accrochons la corde autour de l'arbre. Prenez-vous la main et concentrez-vous. Évitez la corde et 1, 2, 3. Et ne marchez pas sur la corde. Super! C'était vraiment bien joué, les enfants. Oh, bravo! Dansons le loubilou, dansons le loubilaï, dansons le loubilou, tous un samedi soir. Ta main droite en avant, ta main droite en arrière, secoue ta main et tourne sur toi-même. Dansons le loubilou, dansons le loubilaï. Dansons le loubilou, tous un samedi soir. Ta main gauche en avant, ta main gauche en arrière. Secoue ta main et tourne sur toi-même. Dansons le loubilou, dansons le loubilaï. Dansons le loubilou, tous un samedi soir. Ton pied droit en avant, ton pied droit en arrière. Secoue ton pied et tourne sur toi-même. Dansons le loubilou, dansons le loubilaï. Dansons le loubilou, tous un samedi soir. Ton pied gauche en avant, ton pied gauche en arrière. Secoue ton pied et tourne sur toi-même. Dansons le loubilou, dansons le loubilight.
Mets ton corps en avant, mets ton corps en arrière. Secoue ton corps et tourne sur toi-même. Toi, monte les escaliers et descends en glissant. Quand je vais jouer au parc, c'est toujours pour bien m'amuser. Je veux juste rire et jouer avec mes amis toute la journée. Maman, regarde! Quand nous jouons dans le parc, je veux que tu sois en sécurité. Sois prudent quand tu cours et joues. Je n'aimerais pas que tu te fasses mal. Bébé Louis, regarde autour de toi avant de monter sur la balançoire. Quand je vais jouer au parc, c'est toujours pour bien m'amuser. Je veux juste rire et jouer avec mes amis toute la journée. Maman, regarde! Hey, n'oublie pas ça. Tu en as besoin si jamais tu tombes pour être en sécurité. Jouer au parc, tu devrais mettre tes protections. On ne sait jamais si tu tombes, tu pourrais bien te faire mal. Tiens, comme cette fille. J'adore patiner dans le parc, c'est toujours aussi rigolo. Je veux juste m'amuser en toute sécurité. Je peux aller plus vite que lui. Moi j'aime juste faire du vélo. Toujours partant pour un tour. Je veux juste m'amuser en toute sécurité. Quand tu te promènes en vélo, tu dois rouler plus lentement. Garde les yeux sur la route. Je n'aimerais pas que tu te fasses mal. Pas l'air de jeu tout seul. Quand nous jouons dans le parc, je veux que tu sois en sécurité. Sois prudent quand tu cours et joues. Je n'aimerais pas que tu te fasses mal. Ha ha ha!
vraiment jouer avec Bingo pour que ce soit rigolo. Oh. 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 Voici comment promener Bingo. Promener Bingo, promener Bingo. Voici comment promener Bingo tout le long de la rue. Amenons-le chez le vétérinaire, vétérinaire, vétérinaire. Amenons-le chez le vétérinaire pour qu'il soit en bonne santé. Il va regarder ses yeux et ses oreilles, ses yeux et ses oreilles, ses yeux et ses oreilles. Il va regarder ses yeux et ses oreilles et aussi vérifier son poids. Voici comment on joue avec Bingo, avec Bingo, avec Bingo. Voici comment on joue avec Bingo, il adore courir et sauter. Voici comment on aime nos animaux, nos animaux, nos animaux. Voici comment on aime nos jusqu'à ce qu'elles explosent. On fait des bulles, on les fait gonfler.